Voilà, ça tourne quand tu veux. Quand tu veux. Ça tourne. Ah, je sais pas. Tu dis bon, tu sais ce qui se passe dans les dans cette église Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu sais? Il y a pas longtemps, je suis ça et tout. Je trouve que c'est un combat noble et puis un combat, les gens qui se battent pour leur dignité. Et nous le savons bien aujourd'hui que nous sommes dépouillés de tout système et tout. Et nous sommes vulnérables face au système. Et moi, je les soutiens. Et si j'avais appris ça à temps, j'aurais fait la même chose. Et malheureusement, j'ai su ça un peu plus tard. Et de toutes les façons, moi, je crois que le gouvernement doit réaliser que nous sommes déjà là et c'est une situation interne et non de l'extérieur. Et c'est une situation où il doit comprendre qu'il s'agit des êtres vivants et il ne s'agit pas des machines où on peut ramasser ou mettre de côté. Il s'agit des êtres vivants ou qui subissent une injustice insolente. Bon, et excusez-moi un peu avec le terme, hein, mais vraiment nous subissons des injustices. Parfois même, tu es censé faire des travaux forcés, comme si on était en arrière. Et nous sommes dans un pays dit droit de l'homme, entre guillemets. Et si ça s'est passé dans des pays communistes, on aurait au moins comprendre la situation. Mais nous sommes dans des pays dit démocratiques. Vraiment, nous passons parfois des moments où très très difficile dans ce pays. Moi, il y a pas mal de temps, je me retrouve déjà dehors. Ça devient normal, hein. Quand tu es sans papier dans des pays comme la Belgique, tu peux te retrouver d'ailleurs n'importe où, n'importe comment. Et ça, ce n'est pas un problème de se retrouver des fois d'ailleurs, dormir par-ci, par-là. Mais le plus grand problème est de se nourrir. Et sans aucune aide, et je vous l'ai dit, c'est très très difficile et j'espère que le gouvernement doit se rendre à l'évidence parce qu'il s'agit vraiment des êtres vivants. Nous sommes là, il y a certains qui ont, je ne sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans. 27 ans. 27 ans. Et moi je suis là il y a 4 ans et demi, j'ai 2 enfants dans ce pays. Moi, je me suis fait père dans ces pays et j'ai 2 enfants dans ces pays et je ne sais pas moi quel parent voudra accepter que son fils, je ne sais pas moi, et réfléchissez un peu, c'est vraiment des situations très délicates, très difficiles. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et ici. Et le peuple aussi. Et le peuple doit venir ici. Le peuple aussi doit. Là, on doit leur montrer au gouvernement. Oui, tout à fait. Le peuple aussi doit aussi intervenir pour nous aider un petit peu dans notre combat. Et je sais que la Belgique attendra notre voix ou notre message. Et j'ai salué tout le monde et puis bye bye. Est-ce que tu as, y a une langue, une autre langue avec laquelle tu es à l'aise? Oui. Tu viens d'où? Tu viens du Congo? Oui, du Congo. Lingala? Oui, Lingala. Bah, laisse-nous, parle-nous en Lingala. Oh oui, Bandebounanga Nyonso et place Nyonso Bozali, sans papier et tout. Nazo Senga na Bino Bo, c'est mon bi. C'est. Comment dirais-je? Bo sangana et puis topé sa force na batu oyo
et puis tout ce qui a bangoté bato baza ko se sacrifier pour na biso mais ezala bato nyonso tous ala munoko moko pour na tomeka ko changer ba makambo parce que être sans papier dans ce pays nous le savons bien que c'est très difficile boya vraiment ebelé et puis beaucoup qui peut comme ça la ba page Facebook ba page Instagram pour na juste ko inciter bato vraiment message na biso eko mati na gouvernement na parlement c'est ça le but en fait après vraiment tous à la lisungi na matondo na batunyonso et puis c'est ça en fait merci.